24 en provenance de Londres-Waterloo, Dashford et de Calais-Fréthun va entrer en gare. Elle m'a dit qu'elle avait des cheveux noirs courts. Courts, non, longs. Non, non, courts, elle m'a remis. Elle a des cheveux noirs courts, là ? Elle a des cheveux noirs longs, là. Je sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bon. J'y ai pas perdu. On l'a reconnu. Oui, je l'ai reconnu, bonjour. Et là, c'est... Ah, c'est pas pour moi. On demande, c'est très chaud. Qu'est-ce qui est très chaud? Tu peux répéter? J'ai des problèmes. L'anglais est très froid. Il fait froid. Il fait froid? Froid. Froid. Mais nous, chaud depuis mardi. Autrement. Caille. On peut? Mes grand-mères. Attends. Ça ressemble à ma Michette. Ouais. J'ai une grand-mère qui lui ressemble. Oui. Est-ce mes mères et père? Tes parents? Ma mère et mes pères. Ma frère. Tu avais les cheveux longs, tu as coupé. Oui. Nous, on habite à 5 minutes du bois. Oh. Et toi? J'habite à... Tu habites dans Londres? Oui, dans Londres. Dans Londres. Oui. On est en immeuble, mais avec jardin. Oui. Ah oui. Voilà. Une garden. Hi, mom. Yeah. Oh. No, I can't. I can't. Yeah. No. No. Okay. Alright. I love you. Bye. Bye. Ta mère est moins nerveuse? Oui. Elle est... Ok. Oui, dernière étape du Tour de France. Oh, il chou. Alors, comment tu la trouves par rapport aux autres? Quand t'as déjà reçu. Ouais. Elle est... Comme la galloise. Hein. Ce que j'étais très étonnée, c'est qu'elle nous embrasse alors qu'elle est anglaise. Elle n'est pas anglaise. Elle est très avenante, très accueillante. Comme mon ami Kéchi, on est méditerranéen. Il a une petite échappée, un méchant bilingue, et il attend toi que ton là. Première, elle a dit qu'elle aimait les spaghettis. Donc on est sauvés. Déjà le premier point. Fait un peu d'atof et un peu de pomme. Je déteste les tartes de pommes. Tu aimes le chinois, enfin la nourriture chinoise? Non. Oui. Bon. Parce que le dimanche, enfin non, c'est le jeudi, on mange le chinois. Ouais. On mange le chinois. Donc bon, on va changer. Maman, oui. Elle aime pas la nourriture chinoise. Qu'est-ce que tu manges en Angleterre? Qu'est-ce qu'elle cuisine, maman? Du bœuf? Enfin, beef? Oui. Beef. Et oui. Le mouton? Aussi. Couscous? Ah, oui. Il y a rien, couscous. Ah, ça, c'est sûr. Les tangines? Enfin, je sais pas qui. Non, tagine, c'est marocain. C'est marocain. C'est marocain. C'est marocain. Ouais. Taboulé. Tu sais pas ce que c'est? Taboulé. As-tu une religion? Quelle religion? Non, religion. Chrétien, musulman, juif. Tu crois en Dieu? Ah oui. Oui.
Et tu vas à l'église? Oui. Et à quelle église? Catholique? Oh non, musulmane. Musulmane? Mosquée? Non. Muslime. C'est quoi? Musulman, musulman. C'est musulman. Imam. En France, il y a la mairie, l'église. The church. Et, ah oui. Et le bar. Oui. Et moi, elle rentre à l'église et moi, je vais au bar. Voilà. Ta maman est musulmane? Oui. Et toi? Oui. Oui aussi. Oui. A little. Yeah. Comme moi. Mais comme moi aussi, hein. Mais c'est pas ça, parce que si je te donne du jambon, on va avoir des problèmes. También el teatro de Chaillot es coronada de los derechos humanos y los juegos de agua. C'est le ministère des Finances où on paie nos impôts. Ah oui. En France, beaucoup de maisons sont habitées par des tourelles. Il y a du Moyen-Âge. Pour toucher un pont, il y a un soldat. Quand le zouave a les pieds dans l'eau, à Paris, on commence à s'inquiéter. Et voilà, écoute, voilà. On pleure pas. Comme une grande. Voilà. Du courage. Ta mère, elle va croire que vraiment je te martyrise. Hein. Franchement. Tu savais pas encore. Vas-y, Dena. Non, elle a pas. Alors là, elle est. Maman, elle va croire que je te martyrise, ma puce. Mais oui, tu as martyrisé, t'es un tyran. Je suis un tyran, hein. T'es un tyran domestique. Ah. Allez, ma chérie. Ça, c'est dur, hein, quand même. Ok. Ok. Yeah. Souffle. Qu'est-ce que c'est? Yeah. Là, j'ai compris. Ok. Et bien, j'ai compris. J'ai compris. Bye. Bah, voilà. Là aussi, j'ai compris. Bye. J'ai compris deux mots. Allez, fini, hein. Juste attends. Allez, fini, ma puce. Vous voyez? Sûr? Et elle s'est mise à pleurer, comme une fontaine, comme hier soir. Et puis après, alors bon, on a essayé d'y faire comprendre que moi, ça me chagrinait, quoi, parce que ça me rendait un peu malade de la voir comme ça. Et puis après, c'est elle qui a rappelé sa maman à 12h. On a essayé de la faire rire, mais bon, c'est un peu dur. La première fois. Ouais, et là, elle m'a dit, en anglais, je lui ai demandé, elle m'a dit que c'était the first time. C'était vraiment la première fois qu'elle guidait maman. Bon appétit. Bon, il y a de l'eau. Voilà. Demain, on prend le RER. Métro. Oui. Ça va mieux. Il faudrait qu'on aille voir la cité chinoise de Paris. Il y a deux fleuves qui arrivent à Paris. Il y a la Seine et puis la Marne. Et jusque-là, quand les deux, il y a une cité chinoise. C'est comme là-bas. Hein. Les magasins tout chinois. Et ici, c'est portugais. Portugais à Fontenay. Beaucoup. Ça va être pour toi. Il y a des chances. Hein. C'est ma mise à main. Ouais. Il y a des chances. 8h, elle va se dire, elle n'est pas encore couchée. Ouais. Ah. C'est la cuisine. Ouais, c'est bon. Non, c'est l'usine. D'accord. Non, pas du tout. D'accord, bien.
taille. Hein. Ah mais c'est parfait. Oh là. Eh, ton frère va te trouver parfaite. Il va dire que c'est tout toi. Elle pousse un peu. Regarde. Jeanne d'Arc. Tu sais qui c'est? Oui. Tu l'as appris en histoire? Oui. Voilà. C'est sûr, elle a foutu la raclée au grand gré. Ouais, mais après, vous nous l'avez brûlée. C'est pas beau, hein. Qu'est-ce qu'il fait, Jean? Je sais pas ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, elle raconte ce qu'elle a acheté à son petit frère. Je commence à comprendre l'anglais. Qui sait qu'elle a, elle a quelqu'un d'autre au bout du fil? Elle a changé. Dena? Dena, à qui tu parles? Mon père. À ton père. Ah, ok. Perdu. J'ai perdu. Okay. On aurait dû l'amener faire des courses tout de suite. Mais je te dis. On aurait dû l'amener faire des courses tout de suite. Elle chante et elle danse. Tu vois, on aurait eu autre chose au téléphone. Hey, Dena. Oui, t'as compris. Merci. Il n'y a pas de problème. Bon. Okay. All right. Night. Non. Non. Elle a pas fait. Hein? Elle a pas fait. Right. Bye. Et toi? Ce pauvre jeu étranglé. Va y faire la chatouille. Et donc tu vas pleurer tous les jours? Oh! On va sortir de l'auberge, je te dis. Oh mon Dieu. Et maman, elle pleure de l'autre côté? Oui. Non. Eh? Non? Non, elle veut dire c'est un tyran l'autre. La mère, c'est un tyran. Dis, maman, elle croit que je te tape? Oui? Non. Ah bah, non. Je te tape vraiment. Allez, c'est pas trop dur quand même. Allez, on y va? Aïe, aïe, aïe. Voilà. Dur, dur. Hein. Et maman, c'est pas si mal de pas te la cuisiner. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les filles, joyeux anniversaire. Alors tu vois, le champagne, c'est pas un pays pour les hommes. Pourquoi? C'est toujours des veuves, des femmes qui ont perdu leur mari. Veuve Émile, veuve Clicquot, veuve, c'est toujours des veuves. Oh, classe, merci. Hey. Oh. J'adore. Tu l'as pas? J'adore. Tu l'as? Oui. Non, mais est-ce que tu l'as à la maison? At home. Ah non. Voilà. Oh, merci. Ouais. C'est le Pégase. Le cheval volant. Ah oui. Les filles. Faut y aller la puce. Oh, oh oui, tu vas aller revoir maman. Ah bah je vais lui dire à maman que tu fais la tête. Ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Tu l'as pleuré au téléphone et maintenant... Oh, allez. Qu'est-ce que tu as préféré? T'as compris là? En France. La pizza. Non, je crois pas, vu les yeux. Le parc Astérix, la Normandie ou Paris? Oui. Qu'est-ce que tu as préféré? Mais je suis à son bal. Tu sais pas? Tu as tout aimé? Non, j'aime... j'aime... Oh, quelque chose. Non. Oui, j'espère que tu aimes quelque chose. Tu as tout? Oui. Tu as tout aimé? Oui. La destination de Londres, Waterloo. Est ouvert. Veuillez vous diriger sur le terminal Eurostar. À l'année prochaine. Merci. À l'année prochaine, ma chérie. Je vais partir. Puis dans 15 jours, quoi. Dans 15 jours. Ok.
D'accord. Tu téléphones ce soir? Tu téléphones ce soir pour dire que tu es bien arrivé et tu fais un gros bisou à toute la famille.